Cette hormone va vous faire trois choses absolument indispensables pour votre santé et votre bien-être. Elle va vous faire bien dormir. Vous savez que le sommeil est ultra important pour augmenter votre longévité. Mais surtout, elle va vous aider dans trois autres domaines dont je vais vous parler, qui sont ultra importants pour éviter les problèmes de santé, pour avoir une meilleure énergie tous les matins quand vous vous réveillez et perdre du poids. Donc vous avez trois choses en même temps. Je suis Jean-Marie Boutherin, je suis expert en rajeunissement et longévité et j'aide ma communauté à ajouter de la vie à leurs années et des années à leur vie. Alors cette hormone, c'est quoi? Ben, c'est la mélatonine. La mélatonine, c'est produit par la glande pinéale, qu'on appelle aussi l'épiphyse. Et cette mélatonine, c'est l'antioxydant le plus puissant que votre corps produit. On parle souvent d'antioxydants. Alors les antioxydants, c'est comme tout dans la santé et dans tout ce que vous faites. Quand il y en a trop peu, c'est pas bon. Quand il y en a trop, c'est pas bon non plus. En fait, on s'est rendu compte dans les études cliniques et scientifiques qu'en prenant trop d'antioxydants, les gens mouraient. Pourquoi? Parce qu'il faut un certain minimum d'oxydation pour que votre corps puisse bien fonctionner. C'est pour ça que je dis toujours, prendre de l'eau hydrogénée tous les jours, 300 ml répartis sur la journée dans votre petite bouteille. Je vous mets un lien là-dessus sur tout ce que j'ai raconté depuis maintenant sur l'eau hydrogénée. Ça optimise le stress oxydatif. Et donc ça, c'est absolument génial. Et la mélatonine a ce pouvoir antioxydant, mais pas trop non plus. Donc ça aide votre corps à éviter d'être oxydé. Donc, la deuxième chose que fait la mélatonine, bon, vous savez que la mélatonine, c'est l'hormone du sommeil. Donc, le matin, quand vous vous levez, quand vous voyez le soleil, il se met en route une espèce d'horloge qui dit à votre corps que 12 heures après que vous ayez vu le soleil du matin, il faut fabriquer de la mélatonine pour que vous puissiez dormir, parce que votre rythme circadien était fait comme ça. Ça vient de nos ancêtres, depuis qu'on vit. On vit au rythme du soleil et le corps s'est adapté à ça. Et alors le sommeil, c'est ultra important pour la perte de poids. Les gens qui dorment bien ne prennent pas de poids. Ça, c'est les études qui l'ont montré. Le sommeil est ultra important pour garder son poids de forme, si vous êtes déjà votre poids de forme. Mais surtout, si vous voulez perdre du poids, il faut mieux dormir. Et pour mieux dormir, il faut optimiser votre mélatonine. Et je vais vous donner tout de suite trois manières d'optimiser la mélatonine dans 2 secondes. Mais la troisième chose que je voulais vous dire, c'est que la mélatonine, c'est vraiment l'hormone anti-âge qu'on a complètement oublié, que les chercheurs maintenant commencent à se rendre compte que les gens qui optimisent leur mélatonine vivent plus longtemps. Et la mélatonine, c'est cette longévité. Hein, ma chaîne parle de longévité et de santé, hein, de santé optimale et de longévité. Vous voulez finalement que votre santé reste au top niveau le plus longtemps possible dans votre vie et au lieu de descendre comme ça, que vous soyez en santé optimale jusqu'à la fin et finalement qu'on meure en bonne santé. C'est ça l'objectif. Et donc, cette mélatonine, il y a trois façons de l'optimiser. La façon la plus simple, c'est la façon naturelle. La façon naturelle, c'est de faire en sorte que vous suivez le rythme circadien, c'est-à-dire que vous vous couchez toujours à la même heure, vous optimisez votre sommeil et que finalement votre rituel soit le rituel du matin quand vous regardez le soleil, quand vous regardez le jour qui se lève et que votre horloge se met en route pour fabriquer la mélatonine soit optimisé, vous vous couchez toujours à la même heure, presque, je dirais, à un quart d'heure près, essayez de vous coucher toujours à la même heure. Comme ça, votre corps va reconnaître ces signaux et va produire la mélatonine au bon moment. La mélatonine aussi est produite par la glande pinéale, qu'on appelle aussi l'épiphyse, et l'épiphyse a un gros problème avec le fluor. Elle se calcifie, et quand l'épiphyse se calcifie, elle n'est plus aussi optimale. Et donc, évitez les dentifrices au fluor, évitez l'eau fluorée, évitez tout ce qui contient le fluor. J'ai fait une vidéo là-dessus il y a déjà un petit peu de temps. Je vous mets un lien là-dessus. Donc, en plus,
La troisième façon que vous pouvez optimiser la mélatonine, surtout quand on vit au-dessus de 50 ans, on peut rajouter 1 mg de mélatonine. Vous achetez ça dans n'importe quelle pharmacie, n'importe quel magasin bio. Prenez des petits comprimés d'1 mg, on peut monter jusqu'à 3, commencer par 1. Alors il y a des gens où ça réussit très bien, d'autres moins bien. 60% des gens trouvent que c'est absolument génial, ils dorment beaucoup mieux. Et puis il y a des gens, ça leur fait moins d'effet. On ne sait pas trop pourquoi non plus. Chacun est un peu différent. Et donc cette optimisation de cette mélatonine est super importante pour votre santé, votre longévité et votre poids. Parce que n'oubliez pas qu'on perd du poids quand on dort. D'abord, on perd 1 ml d'eau tous les soirs, toutes les nuits. Donc c'est pour ça que votre poids au réveil est toujours plus faible que avant d'aller vous coucher. Mais la chose importante, c'est aussi que votre métabolisme dans la nuit contribue à avoir un poids optimal et donc à arriver à votre, ce que j'appelle le set point, votre poids d'équilibre, qui est si difficile à changer. Et je vais bientôt faire un cours, une formation sur comment changer ce point d'équilibre au niveau de votre poids que votre cerveau a défini. C'est pour ça que les régimes ne marchent pas. Si vous pensez que les régimes marchent, alors ne vous abonnez pas à ma chaîne. Les régimes, c'est ce qu'il y a de pire que vous pouvez faire, c'est que vous augmentez finalement ce point d'équilibre et vous allez petit à petit monter votre poids de forme, disons votre poids normal, ce qui n'est pas normal, mais que votre corps considère comme normal. Inscrivez-vous, laissez-moi un petit message, je veux m'abonner au webinaire gratuit pour la formation perdre du poids, perdre en fait, même pas perdre du poids, c'est perdre 10 cm en 10 semaines ou 3 tailles en 3 mois. Voilà. Il y a un programme pour les femmes et pour les hommes parce que les hommes et les femmes ne réagissent pas de la même façon au niveau de la perte de poids. Le métabolisme des hommes et des femmes est différent et je vous explique tout ça pourquoi. Si vous pensez que, par exemple, les hormones n'ont rien à voir avec la perte de poids, vous avez tout faux. Ça a tout à voir et je vous explique exactement comment réguler tout ça dans cette formation gratuite à mon webinaire. Je vous dis à très bientôt. Appuyez sur les petits boutons, laissez-moi vos commentaires. Namasté.